Salut Arnaud. Salut Stéphane. Tu vas bien? Ça va et toi? Super. Bon, alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la découpe du poulet. Après avoir vu la façon dont le vider, le préparer, le ficeler, on va voir comment on le coupe. On y va. Donc là, toujours les petits poulets de la maison Mariotte, juste ici. Il est tout préparé. Là, je vais venir juste ici, inciser la cuisse qui est là. Là, je vais venir longer la cuisse. Et là, tu vois, on va venir déloger la tête de la cuisse de la carcasse. On va bien chercher la cuisse à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Pour les amoureux du solilès, il se trouve juste ici. C'est les deux petits arrondis qui sont là, que l'on appelle le solilès, qui généralement reste sur la carcasse et que tout découpeur de poulet le dimanche va aller manger. Là, on a une partie de la carcasse. Là, tu as tes ailes de poulet. Tu vois, à la jointure, on va aller les chercher. Pareil de l'autre côté. Ensuite, tu as la cage thoracique avec les blancs sur le dessus. Donc, il y a deux méthodes. Soit on va lever les blancs de la carcasse, ou soit on va laisser les blancs sur la carcasse. Là, je vais te faire voir en enlevant les blancs. Et tu vois, on voit la carcasse qui apparaît. Il y a juste à suivre bien comme il faut. On libère déjà un premier blanc et on fait pareil de l'autre côté pour libérer le deuxième. Et là, tu as le restant de ta carcasse. Donc, on a les deux cuisses, les deux blancs et les deux ailes. Voilà Stéphane, bah écoute, j'espère que ça t'aura plu. Maintenant, il n'y a plus aucune raison pour que vous nous disiez que vous ne savez pas couper un poulet. Vous avez la démonstration, la vidéo. Si vous ne savez pas comment faire, vous la regardez. Vous passez chez nous, on peut vous expliquer, c'est pas un problème. À bientôt, merci.